Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Nous allons passer une soirée webconférence avec Bernard-Michel Boissier. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir Olivier et bonsoir à tout le monde, bien sûr. Voilà, ravi de vous retrouver. Un grand merci d'être parmi nous ce soir. Alors ce soir, nous allons aborder un sujet qui est très connu, qui est vraiment partagé partout dans le monde et qui est extrêmement intéressant. C'est la pensée positive et la fameuse loi d'attraction. Donc, on va parler de ces deux sujets qui sont vraiment, qui ont aidé beaucoup de personnes à avancer dans leur vie, à transformer leur vie. Donc, c'est le sujet tout ce que l'on ne vous dit pas sur la pensée positive et la loi d'attraction. Alors, Bernard, déjà pour commençons directement dans le vif du sujet, si tu veux bien. Déjà, Oui. est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, synthétiquement, peut-être déjà qu'est-ce qu'on entend par la pensée positive en deux mots, mais surtout quelle est son origine? Parce que finalement, c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Alors d'abord, la pensée positive ne s'est pas appelée pensée positive. Elle s'est appelée nouvelle pensée. Elle est née dans les années 1850, aux États-Unis, et elle a deux fondamentaux. Le premier fondamental, c'est une métaphysique. Et le deuxième, c'est un aspect religieux. Mais très très vite, cette nouvelle pensée va sortir du contexte philosophico-religieux pour gagner le milieu des guérisseurs américains. Et c'est un certain Quimby, qui est très connu, et qui va, comment dirais-je, prendre le relais de cette nouvelle pensée et va la répandre dans tous les États-Unis. En effet, il va y avoir des centaines et des centaines d'étudiants qui vont suivre Quimby. Alors, qu'est-ce que Quimby apporte à propos de cette nouvelle pensée? Alors, d'abord, il apporte une chose, et là, peut-être que nous allons voir des excès qui vont pouvoir perdurer et peut-être jusqu'à nous. Je suis très prudent quand je dis cela, Olivier. Quels sont donc ces risques d'excès? Ce sont des jugements binaires, c'est-à-dire vous êtes malade, puisque là nous sommes dans un milieu de guérison. Vous êtes malade. Donc, vous avez une manière de penser négative. Il suffit tout simplement de rectifier. Bien sûr, ça paraît tout à fait logique. Si nous rectifions notre manière de penser, nous guérissons. Alors, le problème, il n'est pas tout à fait là. C'est que peut-être, dans le fond, que l'origine de la maladie, et peut-être et probablement dans une manière de penser négative. Mais que le fait de rectifier, de changer la manière de penser n'apportait pas pour cela une guérison. Alors voilà, et ça c'est l'expérience de 40 ans que j'en ai. Hein. C'est-à-dire que je suis d'accord avec le fait que lorsqu'on pense de manière négative, nous avons une perception de la vie qui est pessimiste. Et là, nous aggravons notre maladie. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui l'a occasionné. On verra tout à l'heure à propos de mon expérience avec des grands malades notamment. Tu sais, Olivier, que j'ai une expérience longue, pratiquement 10 ans, avec des gens qui, justement, étaient des grands malades. Justement, Alors, tu vas nous parler un petit peu de cette expérience tout à l'heure avec des exemples que tu as oui, tout à prévus. fait, tout à fait. Et du coup, Alors, on sait que la pensée positive est un outil exceptionnel qui a permis à des millions de gens d'avancer dans leur vie, de transformer leur vie, comme je disais en introduction. Toi, de ton expérience, de ce que tu as pu en apprendre et en expérimenter au travers, ce qu'on le rappelle, hein, tu es un scientifique à la base, tu as fait des études de médecine et tu es aussi un chercheur en neurosciences. Quel est ton regard sur cette pensée positive? Qu'est-ce que toi, elle t'a apporté? Et qu'est-ce qu'elle a pu apporter aux gens que tu as croisés dans ton histoire? je pense qu'elle est capable, cette manière de penser,
de pouvoir apporter beaucoup de choses, de pouvoir apporter des bonnes choses. Pourquoi? Parce que si nous avons une perception de la vie qui est positive, optimiste, nous avons beaucoup plus de chances de rencontrer dans notre vie des événements, des personnes qui sont en rapport avec ça. Mais est-ce que cela suffit? Car c'est là, je plus, la question, c'est, on est, alors, là, est-ce que la pensée positive se trouve dans le cerveau? J'ai cherché très longuement, j'ai été moi aussi, attention, confronté à des séminaires et des séminaires et des séminaires de développement personnel, où j'avais fait la connaissance de la pensée positive, de la visualisation, par la loi d'attraction. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus récente, on va le voir tout à l'heure. Hein, d'accord? On laisse de côté pour l'instant la loi d'attraction. Déjà, la pensée dite positive, cette nouvelle pensée qui va devenir la pensée positive, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une perception positive que nous avons des événements, que nous avons des personnes que nous rencontrons, que nous avons de la vie en général. Donc là, c'est déjà un atout considérable. Et c'est l'ingrédient de ce qui va nous permettre d'aller plus loin dans la vie, de pouvoir réussir notre vie. Mais est-ce que cela suffit? Mon expérience va montrer que non. Alors, est-ce que nous pouvons dire où se trouverait cette perception positive de la vie dans le cerveau? Eh bien, nous le savons aujourd'hui. C'est dans la partie centrale du cerveau, dans une région que l'on appelle le thalamus. Là, je ne vais pas aller m'éterniser, hein, Olivier. Les gens vont regarder tranquillement sur Internet. On trouve tout sur Internet. Et on trouve notamment le fameux thalamus. Alors, le thalamus, c'est la région du cerveau qui permet toute la perception, qu'elle soit visuelle, qui est la perception dominante chez l'être humain, qu'elle soit auditive, qu'elle soit kinesthésique, c'est-à-dire qu'elle soit dans le mouvement, dans le corps, ou qu'elle soit synesthésique. Et je crois que beaucoup, beaucoup de personnes oublient la synesthésie. Et la synesthésie, elle n'est plus dans notre monde physique. Et c'est avec la synesthésie que nous allons peut-être comprendre que quelle est la résonance d'une manière de penser positive pour pouvoir obtenir ce que nous voulons et désirons de la vie. Voilà. Si tu en parles, je te rebondis un peu sur cette notion. En deux mots, qu'est-ce que tu peux nous dire de la synesthésie? Parce que c'est quelque chose qui est peu connu, finalement. Absolument, tout à fait. Bon, quand on va prendre un exemple tout simple, Olivier, que tout le monde connaît. La PNL. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la PNL? Elle nous apprend plein de choses. Elle nous apprend que nous avons une perception visuelle. Bien. Elle nous apprend que nous avons une perception auditive. Elle nous apprend aussi que nous avons un sens kinesthésique, c'est-à-dire le sens du mouvement et l'intelligence. Alors, chaque perception visuelle a sa forme d'intelligence. Alors ça déjà, on s'éloigne un tout petit peu du développement personnel qui reste trop cantonné dans les perceptions, dans les sensations. Alors la synesthésie, tu as raison, Olivier, de me poser la question. Alors la synesthésie, elle est à la fois inconsciente et à la fois consciente. Comment une chose peut être à la fois inconsciente et à la fois consciente? Eh bien, c'est le ressenti profond. Autrement dit, quand nous percevons avec le sens synesthésique, nous percevons tout ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne faut pas oublier que tout ce que nous traitons ce soir est bien sûr dans le monde extérieur, mais surtout dans le monde intérieur. Et ça,
je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. La synesthésie, c'est le ressenti profond. Et qu'est-ce que ce ressenti profond nous apprend? D'abord, nous sommes incapables. Je ne sais pas, je pense que tu as dû en faire l'expérience, Olivier, toi-même, et vous, chers amis, qui nous suivez, la synesthésie, autrement dit, le ressenti profond, la synesthésie, c'est le ressenti. Le ressenti profond, il n'est pas explicable. Si je vais voir un thérapeute, et il lui dit, comment vous sentez-vous? Je suis incapable de lui expliquer de façon rationnelle comment je me sens. Alors pourquoi? Parce que ce ressenti, il est très important pour ce soir, pour le sujet de ce soir. Tu vas voir, c'est lui, le ressenti, c'est-à-dire la synesthésie, qui va nous apporter les réponses. Car des réponses, nous allons en avoir, bien sûr. Tu comprends, Olivier, des choses qui sont vieilles de 150 ans et qui perdurent, on peut dire qu'il y a quand même quelque chose. Voilà. Ça semble clair. En tout cas, il y a une histoire derrière. Est-ce que tu peux peut-être nous dire très concrètement, nous donner un exemple concret? On parle de la pensée positive. Toi, tu es un spécialiste du cerveau, notamment de la plasticité du cerveau, mais voilà, d'un ensemble d'éléments, on va dire, scientifiques et démontrés. Est-ce que tu peux nous expliquer, d'un point de vue peut-être un peu scientifique, mais grand public, comment fonctionne la pensée positive et le cerveau, concrètement? Alors, je vais être ce qui n'est pas de mon habitude, Olivier. Mais pour pouvoir me faire comprendre du grand public, parce qu'il faut que tu saches, tu le sais, Olivier, toi, qu'il n'y a pas longtemps que je parle au grand public et que je n'étais pas du tout habitué avec ce type de public. J'étais habitué avec des scientifiques, des médecins, mais pas du tout. Et donc là, maintenant, je suis obligé de faire un peu quelque part un côté réducteur que je n'ai pas dans ma manière de penser. La manière de penser. Voilà. Ni positive ni négative. Ma manière de penser. Alors, ce qui va être très intéressant, et tu viens de poser une merveilleuse question, est-ce que l'on peut considérer, est-ce que tu peux me reposer la question pour que je puisse la représenter? Tout à fait. En fait, est-ce que tu pourrais nous expliquer, avec ton expérience de scientifique et d'expert en neurosciences, comment fonctionne la pensée positive et comment on peut expliquer la pensée positive à travers le cerveau? Olivier, je t'arrête. Excuse-moi, hein, de t'arrêter. Hein. Je n'ai pas à t'arrêter, c'est toi qui dois m'arrêter. Et c'est pas moi. Bon, c'est une mauvaise habitude, ça. Alors, ce que je vais te dire, c'est tu as dit quelque chose que tu n'as pas redit cette fois-ci. C'est la notion de plasticité. Alors, voilà un terme qui est banalisé aujourd'hui dans le grand public. Mais le problème de la plasticité, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que si, qu'est-ce que c'est qu'une manière positive de penser? C'est en fait avoir un état d'esprit qui est en correspondance avec une manière de penser positive. Là, je peux dire que si j'ai cela, et on va voir tout à l'heure qu'on peut l'acquérir, alors je vais avoir le phénomène de plasticité dans ma vie. Mais le phénomène inverse existe, et ça, personne. Alors là, je suis au regret de te dire, Olivier, on n'en parle que dans les milieux scientifiques, mais il y a l'inverse. Autrement dit, le cerveau peut très bien ne pas être dans cette transformation merveilleuse dont on vient d'évoquer, mais d'être dans une rétraction. Je me suis rendu compte que c'était notre manière de penser qui occasionnait soit la plasticité, c'est-à-dire que le cerveau se transforme, et il n'arrête pas de se transformer, et il peut se transformer toute l'existence jusqu'à la mort cérébrale. C'est ainsi que vous avez des personnalités, des personnes qui, à un âge très avancé, ont encore ce phénomène de plasticité. Mais quand nous avons une manière inverse, tu remarqueras ma méfiance
sur pensée positive, pensée négative. C'est une méfiance mais naturelle, parce que je veux pas entraîner les gens dans des voies sans issue, dans de la désillusion ou dans du désenchantement. Quand on a une manière de penser négative, ça veut dire que j'ai une vision pessimiste de mon existence. Mais ne croyons pas, il y a beaucoup plus de personnes qui ont une vision pessimiste de leur existence que ceux qui ont une vision optimiste de leur existence. Ça, on oublie quand même, je pense, de le dire trop souvent. Eh bien là, sais-tu, Olivier, qu'il y a le phénomène inverse au niveau du cerveau. Le cerveau se rétracte. Il n'y a plus de nouvelles naissances de neurones comme il y a quand nous transformons notre cerveau. Voilà, j'arrête, parce que là, on est vraiment dans rétraction ou au contraire, transformation du cerveau. Eh ben, donc ça, c'est une excellente explication. Alors du coup, poursuivre sur ce... Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur le plan scientifique ? C'est que ce phénomène de plasticité et de rétraction, il y a très peu de gens qui le savent, que ça date de 1898 à la faculté de médecine d'Harvard. En effet, William James, le fondateur de la neuroscience, a osé dire, ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté son poste à la faculté de médecine d'Harvard, il a osé dire que l'esprit pouvait transformer le cerveau. On est en 1898. On n'a rien inventé dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Je voulais t'écouter cela. Eh ben, écoute, c'est important. Je te remercie. Alors, justement, pour faire suite à ce que tu viens de nous évoquer très concrètement, est-ce que tu pourrais nous faire une très courte démonstration, parce que on parle de beaucoup de choses. Je vais t'expliquer l'idée, c'est qu'on parle de conscient, d'inconscient, de subconscient, de préconscient, etc. On parle de la pensée positive. Concrètement, si j'ai une pensée positive qui vient dans ma tête, concrètement, comment ça marche dans le cerveau? Ça passe par quel endroit? Ça part d'où? Ça arrive où? Et qu'est-ce que ça permet? Bon, alors, si tu questionnes le scientifique, il va te donner une réponse. Si tu questionnes le pratiquant, il va t'en donner une autre. Eh ben, allons-y pour le scientifique, allez. D'accord. Alors, le scientifique, lui, il va te dire que personne au monde ne peut dire d'où vient la pensée. Personne. Ça, je sais que ça plaît pas beaucoup quand je suis dans le grand public. En effet, on croit tous, sans exception, parce que nous avons des films sur YouTube, nous avons des tas de gens qui viennent nous causer et qui nous disent que la pensée, elle est produite par le cerveau. Nous n'en savons rien. Alors c'est pour ça que je vais arrêter là. J'en sais pas plus que les autres. D'accord ? Bien. Si on me demande quelle est ma croyance, ma croyance, elle est celle de mes pères. Je suis un scientifique, hein, Olivier. J'ai donc toute une filiation qui est apparue avant moi. Alors cette filiation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la pensée, elle est dans la dimension de l'esprit. Ce que ne peuvent pas facilement accepter les scientifiques d'une façon générale. Hein, voilà. Bon. Mais attends, ce soir, Olivier, si tu te permets, je suis un scientifique un petit peu différent. Voilà. J'accepte. Et je vais te dire que c'est très rare. Hein. Je l'accepte pour nos amis qui nous suivent. Alors, la pensée, quand elle est négative ou positive, elle est une perception. Elle est une perception de la vie, et donc elle est dans le monde physique, dans le monde extérieur, dans ce qu'on appelle la conscience extérieure. Mais notre cerveau nous permet de faire passer de l'extérieur à l'intérieur. Je pense que là, tes auditeurs comprennent ce que je veux dire, parce que on a une vie intérieure. Bien sûr que je ne dirais pas ça devant un public scientifique, je me ferais jeter. Mais par contre, devant vous, je dis quelle est ma conception. Autrement dit, bien sûr,
que je suis intimement convaincu que nous avons une vie intérieure, qu'il existe un monde intérieur, mais que la pensée, si elle se trouve quelque part, elle peut se trouver que dans ce monde intérieur. Est-ce que le monde intérieur, c'est ce que tu appelles l'esprit ? Ce que j'appelle ? L'esprit. Alors, personne ne peut définir l'esprit. Pas plus ou moins qu'un autre ce soir. Hein. Autrement dit, l'esprit, c'est tout ce qui est immatériel, c'est tout ce qui est invisible. Malheureusement, c'est tout ce qui est non démontrable et non prouvable. À l'inverse, lorsque la conscience se trouve dans le monde extérieur, tout est démontrable, tout est prouvable et tout est mesurable. Et c'est pour ça que quand tu as des gens qui sont à la recherche de cette vie intérieure, je les encourage, hein, sache-le. Mais quand ils veulent des preuves, ils ne se rendent pas compte qu'ils font passer grâce à leur cerveau, on va le voir tout à l'heure quand on va montrer le diagramme. Car tout ce que je vous dis là, on va le voir dans le cerveau en activité. Alors bien sûr, c'est une représentation schématique de cette activité qui est d'une complexité extrême. Hein, voilà. Alors, cette vie intérieure, elle existe autant que la vie extérieure, à condition bien sûr que nous y croyons. Car nous avons besoin de croyance. Nous avons besoin de faire un acte de croyance pour que cette dimension intérieure se révèle à nous. Alors, la pensée se trouverait dans ce qu'on appelle l'inconscient. C'est ce que tu m'as demandé là. J'ai compris à travers la question. C'est ça, c'est ce qui constitue chaque élément, à quel endroit dans le cerveau, comment ça fonctionne. Alors, la conscience, le cerveau va permettre à la conscience de passer de l'extérieur à l'intérieur, d'où le nom inconscient. À partir du moment où tu as le préfixe « in », ça veut dire « à l'intérieur ».« In », c'est « dedans ». C'est pas faux. Quand on parle d'inconscient, ça veut dire « au-dedans de la conscience ». Alors, qu'est-ce qui peut passer de l'extérieur vers l'intérieur? C'est le cerveau. On va le voir d'ailleurs dans notre diagramme. Je peux peut-être le montrer tout de suite, le diagramme, qui va pouvoir On va peut-être le montrer un petit peu après, parce qu'avant, il va falloir qu'on parle un petit peu de la loi de l'attraction d'abord. Mais Ce que je résume, c'est qu'en fait, le cerveau, mais je le partagerai si tu veux tout à l'heure le diagramme, il n'y a pas de problème. Mais si je résume, et si j'ai bien compris, tu me diras, c'est qu'en fait, le cerveau serait un élément, en tout cas, du corps humain, un outil, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui permettrait notamment, parmi beaucoup de choses, notamment, de faire le lien entre notre monde physique et le monde, on va dire, invisible, improbable, comme tu l'appelles, et ce qu'on appelle le monde de l'esprit. Absolument. Absolument. D'accord. Si tu veux, une de mes préoccupations des 44 années que j'ai passées à étudier le cerveau et l'esprit. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors le cerveau, il est un médiateur. Alors ça, je pense que nos amis auditeurs ce soir vont être très heureux d'apprendre qu'il y a des médiateurs et des transmetteurs. Alors en effet, le cerveau, c'est pas une machine. Autrement dit, on peut pas le programmer, le déprogrammer, le reprogrammer à loisir. Ce serait tellement formidable. C'est pas une machine. Mais par contre, c'est une machinerie. Ce qui n'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une machinerie? C'est un ensemble de machines qui se trouvent réunies dans un même lieu pour une activité précise. C'est le cas du cerveau. Et donc, la partie matérielle, physique, énergétique, ah, ça c'est un mot que nos auditeurs vont bien aimer, les énergies,
Mais les énergies, elles sont dans le monde physique, dans le monde extérieur. Alors, ce monde extérieur va quand même s'étendre. Alors, c'est là le rôle du cerveau. Autrement dit, nous allons passer du monde extérieur, grâce à la machinerie cérébrale. Oh, tout le monde connaît les ondes cérébrales. On ne fait que nous parler de ça. Les ondes bêta, les ondes alpha, theta, les ondes delta, les ondes gamma. Bon, on va revoir tout ça tout à l'heure, Olivier. Si tu veux, oui, tout à fait. Sur le diagramme. Mais, avant d'être dans le diagramme, tu as raison. On va parler quand même de deux ou trois choses, parce que sinon, on serait trop vite dans la partie pratique. Alors, donc, en effet, tu as parfaitement raison. Le cerveau, c'est le lien entre ce qui est visible et ce qui est invisible. C'est la machinerie qui va permettre, une machinerie permet une activité. On l'a vu dans la définition même de la langue française, à l'Académie française. Qu'est-ce que c'est qu'une machinerie? L'ensemble de machines qui sont réunies dans un même lieu, dans le cerveau, dans cet encéphale, et puis en même temps, qui ont une activité commune. Eh bien, l'activité du cerveau, qui va servir de lien entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce qui est visible et ce qui est invisible, entre ce qui est le monde extérieur, le monde conscient et la vie de l'esprit, le cerveau va permettre à la conscience de passer d'un monde dans l'autre. L'explication. Alors Bernard, je te remercie pour ces explications parfaitement techniques. Alors avant de passer à notre deuxième sujet qui va être la loi d'attraction, j'ai une question qui est très très importante à te poser sur la pensée positive avant pour terminer sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quels sont les bienfaits de la pensée positive et comment on la met en pratique, très concrètement? Honnêtement, il n'y a pas de recette vraiment précise. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la pensée positive? C'est une très puissante force qui jaillit à travers l'ensemble de l'activité neuronale et qui va passer en fait de l'intérieur à l'extérieur. Et quand on est passé de l'intérieur vers l'extérieur, nous sommes dans ce qu'on appelle non plus une pensée. Je sais que là, je vais un petit peu embêter les gens. C'est plus une pensée. C'est une idéation. Qu'est-ce que c'est qu'une idéation? C'est une très puissante énergie qui jaillit des neurones, qui se met en forme et qui va se former sous forme d'idéation. À partir du moment où je suis dans l'idéation, je suis dans ce qu'on appelle la pensée consciente. L'idéation, c'est une pensée consciente. Or, la pensée dite positive, cette pensée nouvelle dont on a parlé tout à l'heure, est une pensée consciente. La pensée négative est une pensée consciente. Le problème, c'est que nous avons toutes les 400e de milliseconde. Alors ça, j'emprunte ça à mes collègues des neurosciences qui ont étudié le phénomène. On parle de 400e de milliseconde. Toutes les 400e de milliseconde, on a une remontée à la conscience. Donc, ce qui veut dire que pour une pensée consciente, il y en a combien qui sont dessous? Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire, Bernard, du coup, si je reviens sur mon sujet, au niveau des bienfaits de la pensée positive, est-ce qu'on pourrait, par exemple, dire, et comment on peut expliquer ça, que, en tout cas, la pensée positive peut permettre à des personnes d'être mieux dans leur vie, de se sentir plus de gérer peut-être leurs émotions, se sentir plus à l'aise, peut-être en meilleure forme physique, peut-être en meilleure santé, peut-être plus, se sentir peut-être plus à l'aise dans leur relation avec les autres. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur les bienfaits réels qu'on peut constater tous les jours? Alors bon,
j'ai une expérience avec des grands malades, mais j'ai une expérience aussi de 26 années d'entreprise. Et c'est là où ce laboratoire humain va nous apporter des réponses. Alors, il est vrai qu'à partir du moment où j'ai une perception positive, et on utilise ce terme, positive, autrement dit, remplaçons le terme positif par le terme optimiste. Si j'ai une démarche optimiste, je vais avoir un meilleur moral. Ah, mais ça, sans aucun doute, hein. Je vais avoir plus d'énergie. Je vais être beaucoup moins stressé. Je vais être beaucoup moins dans l'inquiétude. Et je vais avoir une force morale. Mais est-ce que cette force morale suffit pour transformer quelque chose qui est pas tout à fait bon en quelque chose qui est très bon? Ça, j'avoue, je déçois peut-être un petit peu les gens, mais je n'ai pas de recette. Ça génère une sorte de force morale, une sorte d'énergie, une force morale qui permet aux gens du coup d'améliorer leur vie. Alors ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que j'avoue que ce terme, je ne l'avais pas. Mais c'est une force morale. Et cette force morale, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te permet quand même d'aller mobiliser probablement un certain nombre de substances dans le cerveau. Et des substances qui permettent justement d'être beaucoup plus en forme, d'être dans un mieux-être, d'être, voilà. C'est une force morale. Comme par exemple les endorphines. Alors on parle beaucoup d'endorphines. Est-ce que tu peux nous donner deux trois exemples très simples? Non, tu laisses les endorphines de côté. Excuse-moi, hein. Bon, avant les endorphines, tu as d'autres neurosubstances et qui sont plus importantes que les endorphines pour ce qui nous concerne. Parce que les endorphines, elles ont surtout un rôle sur les phénomènes des douleurs et dans la guérison. Mais il y a une autre neurosubstance qui est, à mon avis, la plus importante de toutes dans le cerveau. On sait que où ça se produit, et je vais peut-être faire une surprise à tout le monde. On parle du cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, on n'a de reptile que de nom. C'est une région du cerveau, c'est dans cette région du cerveau, dans la partie supérieure du tronc cérébral, que l'on appelle un tore. J'ai dit bien un tore, hein, je suis pas le seul, je suis pas le premier à dire ça. Tous les scientifiques du cerveau n'acceptent pas le terme de cerveau reptilien. L'archéocortex, oui, c'est le tronc cérébral, soi-disant la partie la plus archaïque. Oh, je suis pas sûr. C'est dans la partie supérieure de cette partie du cerveau que nous avons une région qui est occupée avec des neurones qui sont plus foncés que les neurones que l'on appelle la matière grise. Ce sont des neurones noirs, la substance noire. Eh bien, et je vais m'arrêter là, c'est cette substance noire qui produit l'hormone de la réussite, l'hormone du bonheur, l'hormone, si je peux dire ça, hormone plutôt neurosubstance, mais laissons le mot hormone parce que ça c'est parlant, hormone de la joie de vivre, hormone de la motivation d'existence, hormone du plaisir et de la récompense. Ça s'appelle la dopamine. Que les auditeurs qui ont l'habitude d'aller fouiller sur, d'aller chercher sur Google, regardent ce qu'est la dopamine. Ce que je viens de dire, c'est exactement cela. Voilà. Mais je l'ai naturellement simplifié à l'extrême. Alors, quant à l'endorphine, l'endorphine n'est pas produite dans la même région du cerveau. Quant à l'endorphine, c'est un récepteur d'opiacés. Autrement dit, nous avons dans notre cerveau
un récepteur d'opiacé. Et c'est pour cette raison que les endorphines permettent la drogue. Autrement dit, c'est rigoureusement le même phénomène que la drogue. Et c'est pour cette raison que lorsque les endorphines se libèrent dans le cerveau, alors nous avons une espèce de déconnexion et nous avons surtout un arrêt des douleurs. Alors ça, j'en ai une expérience de 40 ans. Ça veut dire que du coup, la pensée positive produit de la dopamine, en conclusion. Non, alors ça, j'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la pensée positive seule puisse provoquer une bouffée de dopamine et d'endorphine. En tout cas, contribuer peut-être à un état général de la personne qui change, un état d'être. Oui, mais alors maintenant, peut-être que, si tu le permets, Olivier, on peut-être aller un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que la pensée positive quand je l'entraîne en moi? Parce que la pensée positive, on a vu, elle est à l'extérieur. C'est pour ça que ça sert à rien du tout que de combattre les pensées négatives à longueur de journée. Étant donné que vous avez une pensée négative et vous en avez combien en dessous? Vous ne le savez pas. Bon. Ce sont celles du dessous qui sont les plus toxiques, les plus nocives. Hein? Voilà. Bon. Alors. Parlons plutôt d'état d'esprit positif. Car, lorsque la pensée positive, lorsque je vais pouvoir l'entraîner à l'intérieur, grâce à des techniques d'entraînement du cerveau mental que j'ai mis au point pendant des années, eh bien, je peux dire que là, il va y avoir tout d'un coup une libération de dopamine. Hier soir, Olivier, nous étions ensemble avec des gens qui pratiquent cela. Pour suivre ta méthode, tout à fait. Semaine. Ouais. Eh bien, il y en a qui nous ont décrit ce phénomène de libération de dopamine. Mais c'est pas parce que on va s'entraîner, on va entraîner notre cerveau, on va faire des exercices mentaux, qu'on va faire de la méditation. La méditation, c'est très bien. La méditation, elle va en effet pouvoir apporter un bien-être, une sérénité. Mais est-ce qu'elle est suffisante à elle seule pour aller produire de la dopamine et des endorphines et surtout un gaz dans le cerveau? Mais ça, on en parlera après. Alors, bah écoute, je te propose de passer au deuxième sujet. On parle de la loi de l'attraction, mais toi, tu nous parles surtout de loi de la synchronicité. Qu'est-ce que c'est que cette loi de synchronicité? Et qu'est-ce qu'elle permet? Alors, ouais. Le mot loi d'attraction est peut-être mal choisi. Je n'ai jamais contesté l'attirance que les individus entre eux peuvent avoir. C'est ce qu'on appelle une loi d'attractivité. Maintenant, si on veut passer du monde vivant. Nous sommes des êtres vivants. Nos animaux sont des êtres vivants. On peut établir une attractivité. On aime ou on n'aime pas quelqu'un. Peut-être qu'on va pas m'aimer du tout ce soir. Peut-être qu'on va m'adorer. Je n'en sais rien. C'est pas mon problème. C'est une attractivité. J'avoue que je suis attiré par tout ce qui est dit ce soir. Ou au contraire, je n'adhère pas et j'éprouve un retrait par rapport à ce qui est dit. C'est ce qu'on appelle la loi d'attractivité. Alors, cette loi d'attraction, peut-être que tu veux que j'en dise un tout petit mot, d'où vient-elle? Elle vient de 1912, où on a comparé le cerveau, en 1912, on connaissait pas grand-chose du cerveau. Et c'est un très grand inspirateur de succès et de réussite qui s'appelait Charles Hanel. Et Charles Hanel, on peut pas lui en vouloir. Il était tout simplement au niveau de la connaissance scientifique du cerveau. Qu'est-ce qu'on connaissait à ce moment-là? C'était de comparer
le cerveau humain a un aimant. Et donc, puisqu'un aimant attire la limaille de fer, alors les pensées attirent les pensées. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Pourquoi ? Parce que la loi d'attraction, comme son nom l'indique, est une loi de science, c'est une loi physique. Alors, si la loi d'attraction est vraie, mais si cette loi d'attraction, alors d'abord une première chose, on supprime déjà tout ce qui est matériel. C'est-à-dire, si on compte avoir des résultats matériels avec la loi d'attraction, d'attractivité, là, on se trompe lourdement. Par contre, cette loi d'attraction, moi, m'a toujours laissé un petit peu sur ma faim. Et je me suis dit, mais, d'abord parce que la loi d'attraction, c'est l'aimant, je me suis dit, mais, est-ce que c'est pas l'attractivité? Alors, l'attractivité nous fait passer du monde extérieur dans lequel se trouverait l'attraction, attraction, à l'attractivité, et tout ce qui se termine en français, dans la langue française, je le dis, hein, c'est des études que j'ai faites, eh bien, l'Académie française peut vous le confirmer, tout ce qui se termine en sion est extérieur. Donc tout ce qui est en sion est action, réalisation, audition, réalisation. Voilà, j'en passe, hein. C'est un résultat. Alors donc, la loi d'attraction serait un résultat. Par contre, je me suis dit, et si, en fait, la loi d'attraction n'était pas cette loi d'attraction, mais une loi d'attractivité. L'attractivité, j'ai demandé aux experts de la langue française, attractivité, c'est l'intérieur. Autrement dit, avec l'attractivité, nous sommes dans le monde intérieur, nous sommes dans la dimension inconsciente, lorsque la conscience est au-dedans. Mais alors Bernard, du coup, comment ça fonctionne? Puisqu'on parle de loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on dit par exemple, voilà, moi je pense fortement à quelque chose, je l'imagine, je le ressens, je fais comme si c'était déjà fait, et les choses ou des événements, des situations, des personnes, ou même pourquoi pas des biens matériels, tu en as parlé, en tout cas, peuvent nous arriver. Comment ça fonctionne selon toi, concrètement? Et est-ce que tu peux nous parler peut-être du coup de la loi de la synchronicité? Parce que c'est plus cette approche que toi, tu mets en avant. J'allais y venir. Hein. L'attractivité peut être associée à cette étonnante observation de Jung qu'on appelle la synchronicité. Alors, pour les scientifiques qui se sont penchés sur cette loi de la synchronicité, il n'y aurait pas de cause. Eh bien, moi, je dis qu'il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Là, ça remet en question beaucoup de choses. Alors, ça veut dire que, et si la loi d'attraction, enfin, d'attractivité, est vraie, est-ce que je peux la provoquer? La réponse, elle est non. Alors là, c'est formel. Alors, si je ne peux pas la provoquer, est-ce que je peux la générer? Et là, la réponse, elle est oui. Je peux la générer. Avec quoi je peux la générer? D'abord, en premier, en sachant véritablement ce que je veux et ce dont j'ai besoin d'obtenir. Si c'est quelque chose de moral, et même voire la santé, si c'est des rencontres avec des personnes que j'aimerais, que je désire rencontrer, la réponse elle est oui. S'il s'agit de trouver un travail, nous sommes toujours dans le domaine de l'humain. En effet, pourquoi je vais pouvoir trouver un travail? Parce que quelqu'un va m'en proposer un. Mais s'il s'agit d'avoir de l'argent pour pouvoir s'enrichir ou pour payer ses dettes et ses créances, la réponse elle est non. Et là, ça remet
beaucoup de choses en question. Ça remet aussi tout ce qui est dit dans les développements personnels. Yeah. Malheureusement, je ne sais pas si on peut citer. Il y a toujours des exemples qu'on peut trouver. Non, après, prenons plutôt la synchronicité pour continuer là-dessus. C'est-à-dire que ce que tu appelles la synchronicité, d'ailleurs, toi, tu en parles aussi dans ta méthode, on y viendra un peu plus tard. Est-ce que ça voudrait dire que si on désire quelque chose, une rencontre, une situation, quelque chose, donc on reste dans le domaine de l'humain, on est bien d'accord et pas dans le matériel, est-ce que ça veut dire que c'est ces fameuses synchronicités qu'on va attirer à nous, par exemple une rencontre avec une personne, une rencontre avec ou un événement qui va nous arriver, est-ce que c'est ça que tu appelles les synchronicités? Oui, mais les termes ont un sens. Alors d'abord, la synchronicité, contrairement à la loi d'attraction, elle serait l'inverse. Je ne nie pas la loi d'attraction, sûrement pas. Attends, j'ai des collègues scientifiques qui travaillent tous les jours sur la loi d'attraction. Les astrophysiciens, les physiciens quantiques, les physiciens, les mathématiciens travaillent sur la loi d'attraction. Les astronomes travaillent, eux, en permanence sur la loi d'attraction. Mais la synchronicité, c'est une loi psychique. Autrement dit, à partir du moment où c'est une loi psychique, c'est une loi qui est en rapport avec l'esprit. Alors, l'esprit, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui est immatériel, c'est ce qui est improuvable et indémontrable. Alors, par contre, comment pouvoir déclencher, je pense que c'est ça que tu me demandes. Oui, c'est comment on la met en action, cette fameuse loi pour... Comment on la met en action? Exactement. Eh bien, on la met en action à partir du moment où on change d'état d'esprit. Autrement dit, il faut passer d'un état d'esprit du monde extérieur, la conscience extérieure, à la conscience intérieure. Et ça, ça se trouve pas sous le pied du cheval. Autrement dit, ça demande d'abord de savoir ce que l'on veut. Car si je ne sais pas ce que je veux, il faut savoir que la plupart des personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Au même titre que, on me dit, mais vous savez, vous risquez d'empêcher le rêve chez les gens. Mais pas du tout. Il faut savoir que la plupart des personnes que nous rencontrons sont des personnes qui rêvent leur vie. Il y en a combien qui vivent leur rêve? Bah, très peu. Or, ce que je propose aujourd'hui, c'est justement à partir du moment où nous changeons d'état d'esprit, à partir du moment où nous transformons notre esprit. Mais Olivier, non seulement nous transformons notre corps, nous transformons notre cerveau, c'est le premier, mais nous transformons notre vie. Mais par contre, ça demande d'abord de savoir ce que l'on veut, de savoir, ne pas savoir comment y parvenir, ça, c'est tout à fait naturel. Mais par contre, si je commence à tripoter et en disant « Ah, grâce à ça, je vais pouvoir obtenir ça », c'est terminé, on est dans le monde extérieur. Alors, ce monde intérieur, il est riche, il est puissant, il est lumineux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous ceux qui m'ont précédé. Des gens merveilleux, des gens qui ont consacré leur vie aux autres, consacré leur vie à cette vie intérieure pour faire avancer l'humanité. Alors, pour faire avancer. Si je comprends bien, si je comprends bien ce que tu nous dis, les ingrédients de base pour générer des synchronicités sont en fait d'avoir un but qui répond à un véritable besoin. Est-ce que c'est... Alors, attention, parce que, oui, mais là on va rentrer dans une certaine complexité. Tu parles, quand je sais ce que je veux, c'est un projet. Qu'est-ce que c'est que le fait de vouloir quelque chose? Rappelle-toi, on est dans l'idéation. Autrement dit, on est dans une pensée concrète
consciente. Voilà ce que je veux. Alors, malheureusement, si je dis voilà ce que je ne veux plus ou ce que je ne veux pas, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que là, on va être dans une pensée pessimiste. Autrement dit, on va voir les choses en noir, on n'y arrivera pas, c'est trop difficile, etc. Par contre, si je dis je vais y arriver, c'est pas pour ça que je vais pouvoir réaliser mon objectif. Il y a d'abord une chose, il faut que je trouve mon but. Et sais-tu où est la réponse de mon but? Elle n'est pas dans une problématique. Elle est dans la solution d'une difficulté. Une fois que, mais je ne vais pas avoir mon but qui va se révéler comme ça. Ainsi, par exemple, nous avons un programme en 6 étapes. Mais c'est pas parce que je vais faire les 6 étapes que je vais avoir mon but, hein. Je le souhaiterais pour chacun. Mais ce n'est pas vrai. On l'a vu hier soir avec le webinaire de gens, de très nombreuses personnes, de plusieurs centaines de personnes qui pratiquent cette méthode de développement, d'entraînement du cerveau qui va permettre de transformer la vie. Alors, on va changer d'état d'esprit. La pensée positive, elle est importante. Elle est la porte de l'esprit. Voilà pourquoi cette pensée positive, elle est fondamentale. Comme dit Napoléon Hill, c'est l'ingrédient qui ouvre la porte au succès et à la réussite. Seulement voilà, la plupart du temps, on s'arrête là. Alors nous allons continuer. La porte est ouverte, ok? Et maintenant, où je vais? Eh bien, je vais jusqu'à l'intérieur de moi-même, où là, je vais avoir les réponses qu'on appelle intérieures. Là, je n'invente rien. Les gens qui pratiquent la PNL parlent de ressources intérieures. Eh bien, ce sont ces fameuses ressources intérieures. Seulement, comment aller les trouver? Car si j'avais les ressources intérieures, je vais simplement te dire très rapidement un mot. Sais-tu ce que je peux retenir de Jung à propos de la synchronicité? Dis-le nous, ouais. Nous savons, mais nous ne savons pas que nous savons. Eh bien, je crois que là, tu as la réponse de ce soir. Voilà. Alors justement, je te remercie pour ces explications. Tu nous as parlé justement de la pensée positive, de l'origine, de ce qu'elle permet. Ensuite, tu nous as parlé de la loi qu'on appelle loi d'attraction, loi d'attractivité, loi des synchronicités. Que je n'ai pas contesté. Tout à fait. Mais transposé. Voilà. En tout cas, voilà, il y a une multitude de lois qui en tout cas sont coordonnées entre elles. Maintenant, tu es allé un peu plus loin encore dans la mise en pratique, la mise en application de tous ces éléments, et tu as développé depuis plus de 40 ans une méthode, oui. Voilà, qui permet vraiment de, à partir du cerveau, de transformer le cerveau, transformer sa vie. Ça, c'est la finalité. À partir du cerveau, qu'est-ce qu'on peut transformer pour être mieux dans sa vie, pour attirer des meilleures situations, être plus en positivité dans sa vie. Est-ce que tu peux peut-être nous l'expliquer à travers un schéma? Alors, je vais vous partager un schéma que j'ai préparé, qui est le tien, évidemment. Et tu peux peut-être, à travers ce schéma, nous expliquer de manière très succincte, à travers un exemple concret, comment ça fonctionne et puis qu'est-ce que permet, en fait, ces différents niveaux de descente dans la conscience et ensuite, qu'est-ce qu'on atteint une fois qu'on arrive en bas? Alors, eh bien, écoute. On va rester dans notre sujet. On va pas être complètement dans la méthode. On va être dans notre sujet. Si je suis dans une vision pessimiste de l'existence, je ne me rends pas compte, Olivier, mais mon cerveau monte en pression. En effet, quand nous sommes inquiets, quand nous sommes nerveux, quand nous sommes préoccupés, quand nous avons toujours l'impression de courir après le temps, de chercher constamment des résultats immédiats,
nous ne nous rendons pas compte, mais nous fermons notre champ de conscience. Alors, il y a une chose qui est très importante. Ici, vous avez la représentation de ce qui se passe dans notre monde extérieur. En effet, vous avez la machinerie cérébrale avec ses 100 milliards de neurones, ses 1000 à 5000 milliards d'usines qui assistent ces 100 milliards de neurones. Je ne sais pas si vous voyez un peu, on est sur des chiffres exponentiels et sur une extrême complexité dans laquelle je ne veux pas rentrer. Tout le monde connaît ces fréquences électrochimiques. On en parle beaucoup partout, je le vois de mon côté, mais on ne sait pas trop bien ce que c'est. En fait, ici, notre cerveau va passer d'une surpression à une pression naturelle, et vous remarquerez, alors il y a une chose, Olivier, je pense que ça mérite un intérêt, ce que je suis en train de dire est connu depuis le 19e siècle. Alors, on s'est rendu compte, par observation et probablement par réponse intuitive de notre inconscient, que plus on diminue la pression de notre cerveau, plus notre activité psychique augmente. Alors là, on va en avoir besoin de cette activité mentale. Alors voyez-vous, ici, vous avez le monde extérieur et vous retrouvez ici ce que je vous ai parlé de la synesthésie. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la synesthésie? C'est la représentation de l'irreprésentable. Et cette représentation de l'irreprésentable, c'est la synesthésie. C'est un sens sensoriel que l'on ne décrit pas souvent et qui est très important, puisque c'est le ressenti. Alors, à partir du moment où le ressenti va apparaître à la conscience, nous allons avoir, comment dirais-je, nous allons savoir la manière dont nous pensons. Nous allons avoir aussi tout ce qui est la relation avec notre vision intérieure. Et donc, c'est la pensée qui se trouve dans la dimension inconsciente qui va s'associer avec la vision intérieure, l'imaginaire. Nous allons avoir une échelle de ressenti. Ici, on ne se sent pas très bien. Quand on est angoissé, on est complètement stressé, on se sent mal. Et quand on est dans la dépression, on est dans l'invisibilité de la vie. Alors là, on se sent très mal. Le haut de la pyramide, hein. Pour résumer, on dirait que le haut de la pyramide, pour donner un exemple concret qui va peut-être vous parler, si on va dire les burn-out, la dépression, donc c'est vraiment le haut de la pyramide qu'on voit ici. Et donc, ce que tu dis, alors, c'est qu'en fait, ça veut dire que le cerveau est en pression et toi, ton objectif, c'est de nous aider à descendre. Déjà d'apprendre à votre cerveau à diminuer cette pression. Voilà. Et on apprend à notre cerveau. Alors ça, c'est une chose qui est absolument peu répandu. On le sait depuis le 19e siècle. Nous apprenons à notre cerveau. Et nous apprenons par suggestion, par affirmation mentale. D'où l'importance d'avoir d'abord… Alors, qu'est-ce qui règle cette pression du cerveau, Olivier? Eh bien, c'est la respiration. Mais je me suis rendu compte moi-même, par expérience, puisque c'est à la suite d'un très grave accident que j'ai eu l'idée de créer cette descente dans les niveaux de conscience, parce que je n'avais pas le choix. J'étais sur un lit d'hôpital, ça fait plusieurs mois, et il se passait rien dans ma vie. Donc, voyez-vous, c'est par expérience que je l'ai fait. Et donc, ici, je me suis rendu compte que quand on était inquiet, préoccupé, soucieux, que l'on courait après le temps. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous le disent, hein. Alors, nous avons une montée de stress.
quand on est angoissé, le stress augmente, on a des peurs. Vous voyez, par exemple, les peurs, c'est quoi? Ben, la peur, c'est une activation d'une région du cerveau que l'on connaît bien, que l'on a décrit depuis très longtemps, et qui s'appelle l'amygdale cérébrale. Et regardez bien, quand nous sommes dans une situation angoissante, quand nous sommes dans une